Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel comment je peux compter un mot dans une colonne quand il est au milieu d'autres termes. Donc, voici mon exemple. En colonne A, j'ai inscrit donc différentes dates. Et en colonne B, là où je vais effectuer l'exercice, plus concrètement, j'ai une colonne avec des erreurs informatiques où les techniciens ont inscrit les différents termes d'erreur. Par exemple, le 13 décembre. Il y avait une erreur de mot de passe, ici c'était une erreur système, erreur utilisateur, voire même erreur de mot de passe plus utilisateur, etc., etc. Moi, dans un premier temps, je souhaite compter le nombre de fois où il y a le terme passe dans cette colonne. Alors, juste comme ça, si j'utilise, supposition, une fonction NBC classique, tout simple, donc je vais utiliser la fonction NBC qui me permet de déterminer le nombre de cellules non vide répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Voilà, je double-clique. Je vais utiliser l'assistant fonction fx. Donc la plage, je sélectionne la plage des différentes cellules où je peux trouver le terme passe. Et ensuite, je vais mettre mon critère passe. Je valide et il trouve 0. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il cherche le terme exact de passe et ici, j'ai mot de passe. Donc, mot de passe n'est pas pareil que passe tout seul. Donc, cela ne fonctionne pas. Alors, il suffit simplement, vous voyez ici, d'effectuer une petite modification. Donc, je vais ouvrir les guillemets. Je vais mettre égal. Je vais utiliser l'étoile qui, dans les recherches, dans Word, sur Internet, va me remplacer plusieurs caractères. Je mets ensuite le mot passe, une étoile pour traiter comme ici, vous voyez, il y a passe, il y a des termes avant, il y a des termes après. Donc voilà, donc ça veut dire en gros, je vais rechercher tout le terme passe avec quels que soient les caractères devant, quels que soient les caractères après. Et je termine avec des guillemets. Et vous voyez déjà le résultat, 4. Donc ici, vous voyez bien la formule. NBC, je sélectionne ma plage, point virgule, guillemets, égale, étoile pour remplacer tous les caractères avant, passe, étoile pour remplacer tous les caractères après, guillemets, et je valide avec OK. Si je souhaite connaître le nombre de fois où j'ai le terme passe et utilisateur, dans ce cas-là, je vais utiliser une fonction un peu différente, qui est la NBC, qui elle va me permettre de compter le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions. Donc là, je retourne avec l'assistant fonction fx. Donc je vais sélectionner la plage de critères, donc partout où je peux trouver le terme passe, et je remets la même formule que tout à l'heure. Guillemets égale étoile passe étoile guillemets. Ensuite, je pars sur la plage de critères 2 et je resélectionne la même plage de critères et je remets. Cette fois-ci, pareil que tout à l'heure, le même système, guillemets, égale, étoile, et cette fois-ci, je vais écrire utilisateur. Je ferme les guillemets. Ah, j'ai oublié juste une étoile s'il y avait quelque chose après utilisateur. Voilà. Donc vous voyez, je réutilisais le même système que tout à l'heure, cette fois-ci avec deux critères, donc la plage, le système de égal tous les caractères avant, passe tous les caractères après. Je resélectionne la même plage, égal, étoile pour dire tous les caractères avant, utilisateur, tout caractère après. Et je fais OK et je ne trouve que seulement une possibilité avec le terme passe et utilisateur. Si on regarde par rapport à tout à l'heure, j'avais bien 1, 2, 3, 4. Passe à utilisateur, ici il n'y a pas utilisateur, ici il n'y a pas le mot de passe, ici il y a passe et il y a utilisateur, il n'y a pas, ici il n'y a que mot de passe, que utilisateur, mot de passe, mais ici système. Maintenant je souhaite connaître le nombre de passes ou utilisateurs. Je vais utiliser ma fonction NBC avec donc toujours la plage, point virgule pour séparer les arguments. Et je vais utiliser donc guillemets égale étoile
passe, étoile, guillemets, et je ferme. Et je vais tout simplement additionner une deuxième fonction NBC, mais cette fois-ci avec le critère étoile utilisateur étoile. Point virgule pour séparer, guillemets, égal, étoile, utilisateur, étoile, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et cette fois-ci 7. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, parce qu'il a trouvé deux fois mot de passe et utilisateur. Si je souhaite avoir le nombre de fois où j'ai passe au début d'une phrase, donc cette fois-ci, je vais utiliser le NBC, comme tout à l'heure. Voilà. En, cette fois-ci, utilisant voilà, l'assistant fonction, je choisis la plage. Mon critère, je mets toujours les guillemets égales, mais cette fois-ci, je ne mets pas d'étoile avant pour dire qu'il n'y a pas de caractère avant. Et par contre, je peux mettre une étoile après. Voilà. Et je ferme les guillemets. Donc vous voyez, NBC, la plage, point virgule, entre guillemets, égal, mais pas d'étoile, pour dire qu'il est le premier, et après, une étoile. Donc si je fais OK, on voit qu'il n'y en a pas, mais si je prends ici par exemple, et que j'efface, il en trouve un. Donc ça a bien fonctionné. Et ensuite, ben, pour faire le nombre de fois où j'ai mot de passe, mais à la fin, égal, et je réutilise ma fonction NBC, l'assistant fonction, je choisis toujours ma plage. En critère, j'ouvre toujours les guillemets, je mets un égal. Je mets une étoile pour avoir tous les caractères avant. J'écris le mot passe. Et là, je ne mets pas d'étoile pour dire que c'est bien le dernier terme. Je fais entrer, je trouve deux. Une fois, deux fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Mais avant, je vais vous remontrer les formules si vous souhaitez les noter. Voilà. Voici donc les formules qui m'ont permis de calculer le nombre de passes et utilisateurs, nombre de passes ou utilisateurs, nombre de passes au début, nombre de passes à la fin.